Faut que je me rappelle. Ah oui. So, how'd you meet? Comment on fait? Merde. C'est quoi la touche? R. Et merde, j'ai raté. C'est pas grave. Ah oui, il y avait une fine colonne de fumée, oui, c'est ça. Okay, I have eyes on that smoke plume. Great. Find your way over there and give them hell. C'était pour ça que j'étais passé par ici. D'accord. Fallait que je trouve. Elles m'ont refoutu des saloperies, ces connasses. Oh, elles ont tout refoutu en bordel. Eh, j'ai pas que ça à foutre, hein. Ramasser les canettes. Heureusement que j'ai un grand sac à dos. Non, non, tu la laisses pas par terre. Elle est morte. Alors mon taf, c'est protéger le parc et aider les gens qui sont en galère dedans, pas nettoyer leur merde. Les gens, ils sont censés nettoyer eux-mêmes leur merde. Parce que je lui ai dit à la gonzesse que je voyais la colonne, mais je la vois pas du tout. Oh, il y avait un truc. Ah. Putain, elle est où la fumée? Ok.
C'est un des trucs que je disais à Xan hier en course. On parlait du confinement, enfin de la distanciation, je ne sais pas le dire, mais là, voilà, t'as compris. Et je disais, mais putain, mais ça devrait être tout le temps comme ça. Je déteste tellement qu'on soit à moins d'un mètre de moi dans la vraie vie. Quand je te connais pas, tu vois. Je dis ça parce que hier à la caisse, il y a une gonzesse qui me collait en fait. Et ça m'a saoulée, tu sais. Donc j'ai mis le caddie entre elle et moi en mode, bon, c'est bon, tu sais. Ça va pas aller plus. La caissière, elle ira pas plus vite parce que t'es collé à moi, en fait. Hein. Je vois pas l'intérêt. Je déteste ça dans la vie de tous les jours. Hey, salut, petit nouveau. Bienvenue sur la chaîne de Piper. Prends une chaise et installe-toi. Et Discutons. salut la bite et le couteau. Et Rebana. Et bonjour petit nouveau, j'ai pas vu ton pseudo. Alors. Miguel, 31 ans, 1m85, 75 kg, brun, piloté, info générale. T'es vu, voilà, info près du lac, le 3 juillet 81, sa disparition a été signalée le 29 juillet. Ah ouais? Mitch a été aperçu vers le lac le matin du 3 juillet 81. Oh. Il avait une Ford bleue et blanche, plaque du Montana. Bon, j'ai pris ces infos au cas où. Ah, je peux le garder. Okay, je peux le garder. Qu'est-ce que nous avons de beau là-dedans? Du bois et des pommes de pin. Et surtout, on a eu un plan. Well, for as dry as it is this summer, there's an area down here that's lush. Oh, you must be talking about the Aspen Grove down there. Yeah, I think that's where I am. Those trees are actually one root organism. Did you know that? I didn't. Yeah, they share their water as a colony that can live for hundreds of years, even through fire. Can you believe you actually get paid Class. to learn all of these amazing things? Also, by what it looks like on this map, you'll be coming up on a stream that should lead you towards where we saw that smoke. Ah, fille. Ah, fille, j'y suis. Bah, j'ai juste allongé, hein. Tranquille ou biloute. C'est beau. Alors, le but du jeu, je suis garde forestier. En fait, grosso modo, au début, c'est super triste. Au début, t'apprends que bon, bah, j'avais 30 ans, un truc comme ça. J'ai rencontré une gonzesse, je l'ai draguée dans un bar, on a picolé tous les deux. Je suis tombée amoureuse, et naninana, on s'est mis ensemble. Elle voulait des enfants, on a attendu un peu. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'elle était malade. Et donc, ben, elle est partie vivre. Elle a un genre d'Alzheimer très tôt, tu vois. Et donc, elle est partie vivre chez ses parents. Et moi, pour me changer les idées, j'ai accepté un boulot dans le parc de Yellowstone comme garde forestier. Et du coup, ben voilà, tu démarres le jeu, c'est ton premier jour de taf. Et t'es, en fait, ça c'est la map, nanana. Et moi, je suis en poste à Two Forks Lookout. C'est un genre de tour d'observation, en fait, de la nature. Et je suis garde forestier. Donc, dès qu'il se passe quelque chose dans la forêt, ma patronne, elle va me signaler, par exemple, elle est sur un, la meuf avec qui je parle, elle est sur un autre point qui est vers là-haut, là. Et dès qu'elle voit de la fumée ou qu'on lui signale un truc, elle m'envoie en radio des coordonnées, puis elle me dit bah, faut que tu ailles voir là-bas. Et là, donc, du coup, je suis un peu au début du jeu. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a deux campeuses des adolescentes,
qui ont foutu le bordel dans la forêt. Genre, elles ont fait des feux d'artifice, donc j'ai été les engueuler. Et comme elles étaient pas contentes, j'ai été les engueuler, je leur ai confisqué leur whisky et leur feux d'artifice. Et du coup, ben, comme elles étaient en colère après moi, elles ont coupé l'électricité du parc, ces petites connasses. Et elles mettent des canettes de bière partout dans la nature. Et donc, du coup, ben là, je suis à la recherche de ces pétasses-là. Et elles sont encore en train de faire un feu non autorisé alors qu'on est en pleine période de sécheresse et que du coup, voilà. Et du coup, ben, je dois retransmettre les trucs. Regarde-moi ça, ces connasses. Et par la même occasion, je nettoie leur bordel parce qu'elles ont sali ma nature. Et ça, c'est pas cool. Voilà, donc c'est un petit jeu posé là. Je me réveille avec un jeu de chill un peu. Ah, on a retrouvé les connasses de campeuse. I see a campsite and it looks like they've got a fire. Is it them? No, it seems like it. I swear, they must have dragged four cases of beer out here. Track them down and don't let them see you. What a job this is. Ah ouais, je dois pas me faire repérer. Ah oui, et elles ont été dans mon poste et elles ont volé mes affaires aussi, ces petites pétasses. J'avais oublié. Donc alors, attends. Réchifflons. À mon avis, elles sont au lac derrière. Je devais faire quoi? Je devais leur faire peur, mais je sais plus comment. Je sais plus ce qu'on avait dit comme décision avec ma chef. Ça a l'air d'être full fermé ce truc. Elles sont où, ces petites connes? Je dois peut-être juste éteindre le truc, je sais pas.
mais c'est leur tente qui est déchirée. Putain, fais chier. Oh, ça craint, elles se sont fait attaquer. Oh, tous les vêtements sont déchirés. J'avais pas vu. Cher Ticotois, j'espère que tu es content de toi. On s'en va, mais on va prévenir la police que tu as essayé de nous faire peur près du lac et que tu as détruit notre camp de nos affaires et volé nos culottes. C'est dégueu. Oh! Tu es peut-être un assassin arriéré armé d'une hache, mais je te garantis que tu vas aller en prison. J'espère que ça va le coup de nous prendre la tête pour nos feux d'artifice, connard. Ah, putain, elles se sont fait attaquer, elles pensent que c'est moi. Waouh. Their tent looks like it's been through the shredder, which would explain that scrap I found. What could have done that? Like a bear or I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it did not hold back. You've got that camera, right? It might be a good idea to get a few snaps, just in case. Yeah, good thinking. Oh, they're gone, for sure. How can you tell? Well, the girls left someone, me, I guess, a note. Well, what's it say? Threatening to call the police because they think I attacked them. Oh my god, well, did you? Ben non. Henry. Did you attack or do anything that could be perceived as an attack to these campers? Don't be ridiculous. It's not ridiculous. I've known you, what, 24 hours? Maybe you're nuts. God, look, I just came out here to sit in a tower, all right? Not get into some mess with a bunch of co-eds. It's fine. They're gone? Yeah, they're gone. But you should see this place. It's just, it's weird. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know, but they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back, and we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Et je fais quoi du camp? Ah, je prends pas des photos et tout et tout? T'es une psycho, on le sait. Salut Noctis. Salut Hitman. Ah non, c'est Amsta, pardon. Je crois que c'était Hitman. Alors, attends, j'ai pas vu. Salut, vu la tête de la deuxième tante, elles ont dû se faire bouffer par un ours. No. Trouver des planches en bas pour boucher la fenêtre. Ouais, elles ont vandalisé ma cabane. On y est là, dans ma cabane. Écoute, Delila, il va falloir arrêter de me draguer. Hein. Tu me chauffes beaucoup trop, mademoiselle. Comme Burt Reynolds, le frère jumeau Tom Cruise, mais en beau. Je connais pas les refs, ça craint. I could be Tom Cruise's good-looking twin brother. Oh, that's too bad. I read in People he's like 5 foot nothing. Yeah, well, you can't win them all. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, PC or whatever they say. Oh my god, you are the whitest man. Wow. T'es blanc comme un cul, pas besoin de jumelles pour s'en rendre compte. Oh, putain, elle me taille, cette connasse. Hey, y'en a qui bossent, hein. Now this can't be that hard. Clothes. I don't really think about it. Oh, come on. I got a sweatshirt I like, good jacket I got at the Buckle Barn. Ooh, I love the Buckle Barn. Just one of those brown ones, you know? I do. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Elle me drague, là, on est d'accord. Je suis mariée, meuf. A pretty thick beard. Oh, have you always had a beard? For a while, yeah. All right, perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. I'm drawing you. I need to know. Your what? Is that okay? Don't answer. I'm gonna do it regardless. Ah bon. Your eyes, tell me.
They look tired, I think. Oh, yeah? Yeah, you know, you hit a certain age and you just... You think you're a younger person who just looks tired. Tellement vrai. Speak for yourself, mister. But I guess that's getting old. Well, some people might see distinguished. Okay, got it. Thank you, Henry. You get what you need? Absolutely. Bon. Bon, il faut que je bosse, désolé. Récupérer quelques planches de plus, ouais, mais elles sont pas toutes au même endroit? Lol, je peux passer d'un côté mais pas de l'autre? C'est quoi ce délire? Ok, c'est tout éparpillé, super. Elle me dessine, elle fantasme sur moi dans sa tour là-bas. C'est pas mal. Je crois que j'ai un ticket. J'ai une ouverture, les gars. Faut que je la fasse mariner. Elle m'a redonné confiance en moi. Je me sens fort. Je pose des clous d'une facilité. That window all patched up. So what should I do now? What's next? What's next? What do you think? Wow, c'est le bordel ici. You've been the one giving me tasks for 2 days straight. What's next is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Oh, yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you. Merde, j'ai pas écouté ce qu'elle disait. Putain, c'est le bordel. Range ta chambre, mec. Oh, ma tortue, je l'avais oubliée. J'espère que je lui ai donné à manger. Prêt à travailler, ça veut dire quoi, prêt à travailler? Il y a toujours de l'air qui passe, ça va casser les couilles, ça. Je dois faire quoi avec le petit icône là-bas? Ah, je dois lui dire quand je suis prêt à travailler. Est-ce que je suis prêt à travailler? J'aurais bien aimé donner à manger à ma tortue. Ça bouffe quoi les tortues? Faut que je te ramène à manger, petite tortue. Tu dois te faire chier dans ton carton. Pourquoi j'ai fait ça? Okay, I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. I am glad to hear you've really thought this through. Putain, j'ai oublié de prendre une photo du camp. Of course. J'ai pas écouté. We issued you a comfy chair to sit in and everything. You know, it's not really that comfy. It's wooden and there's no padding. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. Bah ouais, non, mais j'ai fait n'importe quoi. Elle était dans la nature, je l'ai ramassée pour la mettre dans un carton. C'est quoi mon idée? Je suis débile. Hello, Henry. Having a nice afternoon? Not too bad. I could get used to it out here. That's nice. J'avoue que c'est joli. Look, I called with bad news.
Two young women, Chelsea Stevens and Lily McLean, were reported missing. Oh, God. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. Oh, my God. I didn't do anything to them. What about their camp? That wasn't me. You know that. Don't get defensive. Look, it's not going to be an issue. I mean, if they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? No. I think it's worth mentioning something. J'ai rien à me reprocher. I'll keep it vague. I really don't want to talk to the cops. Me neither. All right, Henry, thanks. Enjoy the sunset. Mais il faut aider à les retrouver. C'est quoi ces gens qui veulent pas parler à la police? Ça va pas bien, non? Les pauvres. Bon, c'était des connasses, mais quand même. Henry. Henry, wake up. Oh my God. Get out of bed and pick up the radio. Oui, j'arrive, Dali. What do you want? J'aime pas qu'on m'appelle dans la nuit. You big dumb idiot. Ah non! Babe, it's late. I know it is. You sound tired. C'est ma meuf. I am. Are you having a nice time? Sure. Are you? Everything good there? Jules? What? Oh, sorry, Henry. Yeah, I'm good. Well, that's good. Well, I'll let you get back to sleep then. Elle a l'air d'être malheureuse. Okay, Jules. Delilah seems nice. Sure. Bye, baby. What the fuck? Jour 9, jour 33, oh! Me volez pas ma vie, ok? Rendez-moi mes jours perdus. Marchez vers le nord pour récupérer des provisions. Well, I get my stuff hand delivered. Oh, how's that work? It's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90-degree heat, and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there, and I don't want to have to call in for more. Et donc les gonzesses, là, on a oublié les deux meufs. Prunes, jerky. You know, my sister eats 6 prunes a day. 6. She's, like, really precise about it. Mais on s'en branle de ta sœur, Deli. Bon. Que je me rappelle. Tac, tac. So, like, 2 weeks ago, you called me in the middle of the night. You were sleeping, I guess, and all I heard was... Oh non, je me dis c'était bizarre. I thought it was so sweet. I wanted to wake you up, but then I thought maybe you were having a conversation. Oh non. I'd just be spoiling it. I hope you're doing okay, you know, when it comes to her. Look, so a couple of months before I took this job, I was with this guy, Javier. He's incredible, caring, sexy as hell. He was a driller down in Casper. We dated for almost 5 years. I was working with the Wyoming. Attends deux secondes, elle parle encore. I was obsessed with it. I wanted to be an instructor so badly. And I was sure I was going to marry Javier as soon as I could be bothered. Walls was also a good excuse to get out of town, drink whiskey in the mountains, cut loose. Then, Javier's brother got killed working in Gillette, and... For some reason.
Elle me raconte ses problèmes. I didn't come home. Javier said it was fine. He'd go to the funeral, take care of his mom, stuff like that. It'd be easier solo. When he came back, he left me. I came out here. I lied and told my sister he fucked our neighbor. So I lied to you. I came out here with a broken heart just like you. J'ai pas le cœur brisé. I figured you've told me so much about you. Je suis triste. So, you know, there's something about me. We both fucked up. Elle a dit que l'autre nuit, là, quand j'ai reçu un coup de téléphone de radio, que je croyais que c'était ma femme qui m'appelait, Julia, en fait, c'est parce que j'étais somnambule et je l'ai appelée, elle, à la radio en plein milieu de la nuit et en lui parlant comme si elle était ma gonzesse, en fait. Ça me travaille d'avoir laissé ma meuf, de l'avoir un peu abandonnée, en quelque sorte, tu vois. Ah, mais je crois qu'on peut pas passer par là. Salut, belle demoiselle. Salut, Hitman. Non, pas moi qui suis triste, mon personnage. Moi, je crois que ça va. Eh, je me rappelle que je suis tombée d'une hauteur et je peux pas remonter. Ah, si. Ouais, par là. Alors, moi, je te rassure, tout va bien. Je vais chercher mes provisions à la caisse. J'y ai déjà été une fois, donc c'est bon. Je connais un peu le chemin. Nous, les gardes forestiers, on reçoit à manger par provision ici, là, dans ce truc. Le supply drop. Ok, two forks. C'est ça pour moi. All right, I got everything I need out of here. Time to chow down. Just yours, right? Who do you think I am? Bon, par contre, les jours passent beaucoup trop vite dans ce jeu. Hein. Ça me stresse. Tu vas lancer Valorant quand? Ah, c'est une bonne question. Je sais pas, Tidus. Je sais pas. Tout à l'heure? Quand je serai bien réveillé? Yeah, it's really going. Shot crew for some suppression, but I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And ouais, faut que je teste Omen. She doesn't have a name yet. I usually think mais je vais le tester en entraînement. Putain, il y a un sacré feu là. But why don't you do the honors? So, no ideas, huh? Well, we should just call it the big fire if we think it's going to be. The big fire. Yeah. Well, that is practical. Always my goal. I'm actually amazed we've never used that name. Sometimes the best names are the most obvious. The big fire it is. So there's this creek down the hill, and you know what my favorite thing to do is? What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then, on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. I've had one too many bad experiences with tequila. A little reticent to try it again. En vrai, j'ai des bons souvenirs avec la tequila. Good experience with it. Yeah, maybe. Are you looking at the fire? Yeah, I am. I love how they look at night. During the day, it's just smoke, but when the sun is down, you ouais, bof. Get lost. Yeah. Whoops. Me too. Good. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Oui, ben j'avais compris que tu me draguais, Deli. I know it's probably been a while since you've connected with someone the way we have. I don't mean to get all heavy, but it's been really nice.
Ah ouais, c'est cash. Bon, ça fait 64 jours que j'ai pas baisé. Peut-être que moi aussi, j'ai envie d'être avec toi. Ah ouais. Hein? What could we do? Bon, d'accord, je veux bien venir. Waouh. Ouais, 76 jours que je suis loin de ma femme. Je suis désolée, chérie, mais à un moment donné, tu te rappelles même plus de mon prénom, donc. You're going fishing without a license? It's one fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. Ah, lol. I won't tell anyone you're a poacher. That reminds me, I keep hearing reports from Fish and Game about a problem bear they're trying to keep tabs on. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east, and you know, I think sometimes it riles up the wildlife. Does problem actually mean murderer, like how Charles Manson is a problem cult leader? Oh, come on, you just have to look for tracks, that's it. Ugh, can't believe I'm gonna leave this planet as a pile of bear shit. Thank you, Henry. Yeah. Je vais vraiment chercher des traces d'un ours avec une canne à pêche dans les mains. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure strat. Est-ce qu'ils peuvent arrêter de faire défiler les jours comme si ce serait cool de me prévenir? Moi, j'aime bien. Oh, ces pauvres filles qui ont disparu, s'il faut, elles sont mortes. Et personne ne les a cherchées. Ça me dégoûte. Bon, après, c'était des connasses. Ok, bonne app. Ah bon. Someone left their clipboard out here. Huh. It could have been one of the Fish and Game folks. See if there's a name or a credential or something. I can call it in. What the? It's. Holy shit. What's going on? You didn't actually find a bear, did you? Someone has written down what we said to each other. Have been saying. That doesn't make any sense. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Wait, what? Hold on. Something's out here. Henry, I'm worried. You didn't find any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also... M'en branle de ma canne à pêche? Oh, devastating. Regardless, just let me know, okay, Buckaroo? Oh god, I don't know why I just called you that. Ok, je viens d'avoir très peur. I got hit in the head, punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with, what, transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with a radio of theirs. You know, somebody out here could have just killed me, Delilah. I don't... What the fuck is going on? What's Wapiti Station? I don't know. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now.
It's north of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Are you sure you saw what you saw, Henry? Maybe you pissed off some more campers and they came back to sucker punch you. This just seems like a misunderstanding or something. Are you sure you were actually attacked? Look, I know what I saw. Hey, it was our words with initials for our names, H and D, clear as day. And you've been feeling okay? I feel fine. Okay, I'm sorry, I believe you, but that conversation was from 2 weeks ago. I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship, friendship, our whole summer. Someone is out here with a walkie-talkie, taking notes and talking to God knows who. I'll hike out there and get some answers. Great. Just keep a clear head. Don't, you know, do anything crazy. Like taking a job in the middle of nowhere with literally no escape from whatever or whoever is out there? Well, I meant, like, kill anybody. You got it, boss. Je sais pas par où passer. Ils font des bruits, les canards ici. Le stress. Mais je dois aller manger au moment où je suis hype. Ah, bon app. C'est pas grave, il y aura une rediff, Hitman. Delilah, there's a big chain link fence between me and the meadow. I don't think I can get past it. A fence? Yeah. How big? Big. It goes off in both directions. Acres. But what the fuck is going on out here? Whatever it is, someone doesn't want anyone to know about it. Sometimes biologists will cordon off a little area to study flora or whatever, but that's only a few square feet usually. That's not what this is. Well, see what you can do to get past it. And what are the odds they left the gate unlocked? Pretty low, I'd imagine.